Et bonjour à tous les amis, c'est Brasier, votre gamer favori. On se retrouve donc pour la boutique du jour de Fortnite du 4 avril 2024, donc avec le retour du pack invincible, donc avec le pack gardien du globe, avec Omniman en tenue hippique, avec sa version son accessoire de dos hippique, le premier, le deuxième la cape d'Omniman, et le troisième la cape emblème d'Omniman. Invincible en tenue hippique avec son accessoire de dos Sack Burger Mart. Atom Eve en tenue hippique avec ses trois accessoires de dos, emblème d'Atom Eve, cape d'Eve, cape emblème d'Atom Eve, donc tout ça pour 2800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Invincible en hippique avec son sac Burger Mart pour 1500 V-Bucks. Omniman donc en tenue hippique avec la tenue contient une cape intégrée, une cape universelle, accessoire de dos réactif, donc tout simplement, voilà comme vous voyez actuellement à l'écran avec la tête de l'immortel, la cape d'Omniman et la cape emblème d'Omniman, tout ça pour 1500 V-Bucks. Atom Eve, pareil, donc accessoire de dos réactif, donc avec trois accessoires de dos, le tout en épique, avec emblème d'Atom Eve, cape d'Eve et cape d'emblème d'Atom Eve, le tout pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack d'équipement des gardiens du globe, donc avec la balle hyper rapide qui est la motte rare, la masse de War Woman, donc la pioche atypique, le bras de Réanimec, donc la pioche rare, l'épée subatomique, la troisième pioche rare, l'impression invincible, donc ses revêtements d'armes atypiques, et pour finir, l'écran de chargement gardien de l'île, donc l'écran de chargement atypique, le tout pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez le bras de Réanimec, donc la pioche rare pour 800 V-Bucks, la balle hyper rapide, l'immote rare pour 500 V-Bucks. La masse de War Woman, donc la pioche atypique pour 500 V-Bucks, et l'épée subatomique, la pioche rare pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le retour de Lewis Hamilton, donc avec Lewis Hamilton en tenue série icône avec ses trois customs, avec sa version Lego, donc en sprintant ou en planant, Lewis Hamilton libère de la traînée d'énergie colorée, et l'Astro Roscoe, qui est son accessoire de dos série icône avec ses deux customs, le tout pour 1500 V-Bucks. Le pack Lewis Hamilton, donc Orbital, avec Lewis Hamilton Orbital avec ses 4 customs en tenue, donc série icône toujours, donc mais la version Orbital avec ses 4 customs que vous voyez actuellement à l'écran, avec sa version Lego, avec pôle positionné, les accessoires de dos et pioche avec leurs 2 customs pour 1800 V-Bucks. Le tour en trottinette, sa petite emote pour 300 V-Bucks. La planche à sillage, son petit planeur série icône pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez une nouveauté. À la une, donc avec Audrey, donc partie ensemble nos chers de Strix, donc cette saison et ce chapitre, avec ou non sa réactivité, donc non, avec ou sans lunettes, pardon, donc avec sa tenue rare, avec sa version Lego, avec Boomdog qui est son accessoire de dos rare, le tout pour 1200 V-Bucks, Sergent Grill, donc qui fait son retour, donc Sergent Grill, donc qui partie ensemble d'Hamburger, saison X, premier chapitre en atypique, avec sa version Lego pour 800 V-Bucks, Knack, donc qui fait son retour en tenue rare, donc il fait partie ensemble Chaînon Manquant, saison 1, chapitre 2, avec sa version Lego, avec sa saucisse traînée, accessoire de. Sa traînée rare, pardon, pour 1200 V-Bucks, le pro de barbecue, sa petite emote hippique, donc c'est du tout cuit, saison 9, premier chapitre, donc. Pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Sirène qui fait partie ensemble section de choc saison 2 chapitre 2 avec ses trois customs. Non, avec ses deux customs, pardon. Voilà. Avec sa version Lego, avec son dernier baiser accessoire de dos rare également et ses deux customs pour 1200 V-Bucks. Bisous, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Fléchette qui fait son retour avec ses trois customs en tenue atypique. Donc voilà, deuxième et la troisième, donc avec sa version Lego. Elle fait partie de l'ensemble Ligne de Mire saison 6 premier chapitre pour 800 V-Bucks. Ensorcelante, c'est une petite emote hippique, donc faites-la tomber à vos pieds saison 6 premier chapitre pour 800 V-Bucks. Le chant de marin, donc c'est la petite emote rare, donc emote de groupe. Joignez vous au cœur des autres joueurs qui utilisent l'emote chant de marin, donc elle fait partie de l'ensemble disponible pardon, depuis la saison 5 chapitre 2. Emote mobile synchronisée pour 500 V-Bucks. Voilà, elle est rare. Ensuite, vous avez les pionniers, donc avec le retour de Linette. Limette, pardon, avec ses deux customs. Elle fait partie de l'ensemble Citron, saison X, premier chapitre, avec sa version Lego, avec son tricartier qui est son accessoire de dos rare, avec ses deux customs, pour 1200 V-Bucks. Sig, qui fait son retour, donc il partit ensemble Interception, saison 2, chapitre 2, donc. Avec sa version Lego, avec son coupe-parole, on dirait presque un Midas encore celui-là. Avec un coupe-parole, donc qui est son accessoire de dos rare, le tout pour 1200 V-Bucks. Bord agile, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Mitrailleur. Donc, gare à son regard perçant, fait partie ensemble Ligne de Mire saison X, premier chapitre. Donc, il fait partie d'un ensemble que Fléchette. Donc, atypique avec sa version Lego pour 800 V-Bucks. Le cœur de cible, c'est son petit planeur atypique pour 500 V-Bucks. Voilà.
Ensuite, vous avez les styles emblématiques, donc avec le retour de Trombe, donc en tenue atypique, avec ses deux customs. Donc, elle fait partie de l'ensemble Course Royale Saison X Premier Chapitre, avec sa version Lego pour 800 V-Bucks. Pisteuse démarrée, donc en tenue atypique également, elle aime patauger dans la gadoue, disponible depuis la Saison X Premier Chapitre, avec sa version Lego pour 800 V-Bucks également. Rex, qui fait son retour en tenue légendaire, donc il partira ensemble Stylé Reptile Saison 3 Chapitre 1, avec sa version Lego. Et 150 écailles qui sont accessoires de dos légendaire pour 2000 V-Bucks. Le casse-tête cubique, c'est ça, une petite emote atypique, donc saison 6, chapitre 2, donc pour 200 V-Bucks. Le dos crawlé, c'est un petit emote rare, donc comme un poisson sans eau, saison 7, premier chapitre pour 500 V-Bucks. Le coup de pilon, c'est la petite emote atypique pour 200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de l'attrape-mouche en tenue légendaire, fait partie ensemble attrape-mouche saison 4, premier chapitre, avec sa version Lego. Avec son piège à mouche, accessoire de dos légendaire, le tout pour 2000 V-Bucks. Brie, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Dionne, c'est son petit planeur hippique pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Mutique, donc avec ses deux customs. Enfin, tiens, son terre discrète, saison 1, chapitre 2, donc avec ses deux customs. Donc, en tenue rare, avec sa version Lego. Avec son sillon noir, qui est son accessoire de dos rare également, avec ses deux customs. Le tout pour 1200 V-Bucks. Mutisme, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks et ses deux customs. Noir usé, c'est son vêtement d'armes atypique pour 300 V-Bucks. Ensuite, donc, vous avez les pistes musicales que vous pouvez rajouter à votre casier. Vous les avez déjà dans le Fortnite Festival. Donc, sinon, c'est pour 500 V-Bucks la piste musicale que vous pouvez rajouter dans votre casier pour l'avoir tout le temps s'il y a une chanson qui vous plaît vraiment, que vous voulez conserver. Mais toutes les autres, vous les retrouvez dans le Fortnite Festival de toute manière. Donc voilà, je pense que vous pouvez même les gagner gratuitement. Mais sinon, elles sont disponibles en boutique pour 500 V-Bucks. Donc n'hésitez pas à les acheter si elles vous plaisent vraiment. Ensuite, vous avez toujours le pack Lady Gaga, donc avec Gaga Chromatina AK en tenue série icône, pardon, avec sa version Lego, avec sa plus exaltante, c'est son emote, la basse Chromatica, c'est sa basse, le micro Chromatica, son petit micro, et la petite musique, la piste musicale, pardon, Stupid Love de Lady Gaga de 2020, le tout pour 2800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Gaga Chromatica en tenue série icône, toujours avec sa version Lego pour 1500 V-Bucks, la basse Chromatica, c'est sa basse pour 800 V-Bucks, le micro Chromatica, son petit micro pour 800 V-Bucks, la plus exaltante, c'est son petit emote pour 500 V-Bucks, et la Stupid Love, donc c'est sa piste musicale, donc pour 500 V-Bucks également, donc pack et hors pack. Ensuite, vous avez équipé vous pour le Fortnite Festival, donc avec toujours l'insecte symphonique qui est le petit clavier épique pour 1000 V-Bucks, la mêlée donnée, le petit micro épique pour 1000 V-Bucks également, la gratte de la menthe, la petite guitare épique pour 1000 V-Bucks, et la menthe musicienne, la petite batterie épique pour 1000 V-Bucks également. Ensuite, vous avez toujours le pack, ensuite, pardon, vous avez toujours fait vombrir les moteurs avec la McLaren 767, 765, pardon, LT, le châssis avec les roues qui vont avec, les stickers typiques, bande, tech, éclair, géophade et lion pour 2006, plus 2800 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Masamune, donc avec la Masamune, le châssis atypique avec ses stickers typiques, incendie, otaku, DJ Sushi, étoile, bande et pour finir rage au volant, le tout pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez les petits turbos donc atypiques, donc les voitures, aussi bien les véhicules que les petits turbos, vous les retrouvez dans les trois modes de jeu, Rocket Racing, Battle Royale, évidemment vous les avez directement dans Rocket League, donc avec le missile magique et la petite turbo atypique pour 250 V-Bucks. Le deuxième, le turbo ionique, donc atypique également pour 250 V-Bucks. Et Santa Fe, ce sont les roues rares pour 700 V-Bucks, voilà tout simplement. Ensuite, vous avez tout pour le Lego Fortnite, donc toujours avec le boulevard balnéaire, le pack boulevard balnéaire, donc avec 7 constructions et 44 décorations, avec le pavillon qui comprend le pavillon de plage, boutique de natation, maison de plage, tour de maître nageur, maison marine, maisonnette de plage et le refuge, avec décoration promenade de plage, décoration achat littoraux, décoration cabane de plage, et pour terminer, décoration point cousy, le tout pour 1900 V-Bucks. Alors, pas que vous avez le kit promenade de plage, donc. Avec qui comprend la tour de plage de tour de maître nageur, pardon, avec donc 5 constructions et 15 décorations, donc avec pavillon de plage, maison marine, maison de plage et boutique de natation, avec décoration promenade de plage et décoration achat littoraux, le tout pour 1500 V-Bucks. Donc ensuite, vous avez le petit kit cabanon de plage de construction 29 décorations qui comprend maisonnette de plage et le refuge, avec décoration de cabanon de plage, décoration coin cousy, le tout pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Dirt Burger, donc
toujours disponible que pour le logo Fortnite. Donc il y avait 3 constructions, 41 décorations avec le comptoir de fast-food Der Burger, la franchise Der Burger, le restaurant phare de Der Burger, la décoration restaurant de Der Burger, la décoration cuisine de Der Burger, la décoration patio Der Burger et la décoration extérieure Der Burger, le tout pour 2000 V-Bucks. Donc ensuite vous avez toujours le Boss Burger, donc il fait toujours partie de cet ensemble en hippique avec sa version Lego et la sachet de frites d'accessoires de dos hippique pour 1500 V-Bucks. Ensuite vous avez le QG de Dirk, donc 32 décorations qui comprend donc le comptoir de fast-food de Der Burger, le restaurant phare de Der Burger, la franchise Der Burger, avec décoration patio Der Burger, décoration restaurant Der Burger, décoration cuisine Der Burger, le tout pour 1800 V-Bucks. Ensuite vous avez hors pack la décoration extérieure de Der Burger, donc avec 9 décorations pour 600 V-Bucks. Ensuite, vous êtes sur le pack Air Spécial, donc toujours avec l'offre pack Gardien de la Galaxie. Donc là, c'est la série Marvel pour 28,99€ qui comprend Drax avec ses versions Lego, l'âme de Drax, accessoire de dos ainsi que la pioche, le Groot jeune adulte, donc avec sa version Lego et la manette de Groot qui est son accessoire de dos et le point de Flora Colossus qui est sa pioche. Ensuite, vous avez Mantis, donc avec sa version Lego, son petit Abelis qui est son accessoire de dos et les griffes insectozoïdes qui est sa pioche avec deux emotes noix d'invisibilité et danse de Groot en peau, le tout pour 29€. Donc voilà, tout simplement. Ensuite vous avez toujours le pack Vidarman 2.0 qui vous donne un accès permanent à la campagne sur les mondes. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant la quête quotidienne dans sur les mondes. Terminez la défense du bouclier en utilisant base de 3 pour déverrouiller les quêtes entamées de ce pack de défis qui comprend donc Vanderbot en tenue hippique avec sa version Lego, avec son bleu lit accessoire de dos rare, la fiole à frapper c'est sa pioche rare, donc le tout pour 18,49€. Donc ensuite vous êtes sur le pack opération fluo pour 3,75€, donc il comprend agent fluo avec ses deux customs en tenue atypique avec une tenue 13 décorations, sa version Lego, l'étoile fluo c'est un accessoire de dos atypique, décoration de chambre fluo, donc c'est sa chambre, donc tout simplement c'est ses décorations, donc tout ça pour 3,75€. Ensuite vous avez toujours les fêtes de lanterne, donc toujours avec le pack de casier de Banderitax, donc avec le retour de Pyjama Pizza, donc en tenue rare avec sa version Lego, avec son fromentant accessoire de dos rare, la spatule c'est sa pioche atypique, le fast food volant c'est son petit planeur hippique, et pour finir vous avez Rashkid, c'est un petit imode atypique, le tout pour 2000 V-Bucks. Hors pack vous avez Pyjama Pizza, donc en tenue rare avec sa version Lego et fromentant accessoire de dos rare et ses deux customs pour 1200 V-Bucks. Les Pepperoni c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. Le fast food volant c'est son petit planeur hippique pour 1200 V-Bucks. Et l'imote Rashkid pour 200 V-Bucks. Voilà, atypique également. Ensuite vous avez toujours possibilité d'acheter 25 niveaux du pass de combat pour 1850 V-Bucks. C'est vous qui voyez. Sinon vous avez toujours le pass festival, donc emparez-vous de la scène principale et accomplissez les quêtes festival pour obtenir des points festival pendant la saison 2. Déverrouillez les éléments suivants. Recevez immédiatement l'aura hack musical, accédez à la voix bonus. Rendez-vous au Fortnite Festival pour accéder au pass, révéler votre talent. Progressez dans le pass pour obtenir davantage de récompenses, dont la guitare chromatica, la piste musicale Red With Me, l'écran de chargement, la collection Gaga, la piste musicale Black Lawson, l'aura Aurore Boreal. La piste musicale Break Me, le Ketar Chromatica, la piste musicale Poker Fest, l'accessoire de dos Signal Sinusoid, l'emote Kinespin qui est la tenue Gaga animatique. Si vous avez gagné des points festival avant d'acheter la voix bonus, vous recevez automatiquement les récompenses obtenues. Jusqu'à ce point, les récompenses de la voix bonus pourraient être proposées à l'avenir dans la boutique d'objets, le tout pour 1800 V-Bucks. Donc voilà, c'est déjà le cas. Hein. Ensuite, vous avez toujours possibilité de souscrire. Sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire au club Fortnite pour 12€ par mois. Depuis le mois de décembre 2022, vous avez l'ensemble de fidélité au club, donc des objets cosmiques et suivis au club dont une nouvelle étape est livrée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez les Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur des appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous êtes déjà passé de combat, il vous propose 150 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci, en cadeau, c'est Ares, donc en tenue rare avec sa version Lego, sa cape de guerrier, c'est son accessoire de dos rare, et la dorée d'immortel, c'est sa pioche atypique, donc le tout pour 12€ par mois, les amis, si vous souscrivez aujourd'hui au Club Fortnite. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter, la partager, de faire un maximum sur les réseaux sociaux à vos amis, à qui vous voulez, à faire grandir la chaîne, les amis, je compte sur vous, allez-y, on continue comme ça, c'est vraiment très très bien, mais n'hésitez pas à vous manifester sur la chaîne, hein. Je vous vois pas, hein. On est 2942 sur la chaîne. Et vous mettez peut-être juste les petits pouces bleus, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous mange pas, hein, je vous mords pas, vous inquiétez pas, hein, donc mettez un petit commentaire pour voir si la boutique vous plaît, et juste vous dire je suis présent, voilà je suis là, ça me ferait énormément plaisir.
Ensuite, si toi tu regardes ma chaîne que tu n'es pas encore abonné, ce qui n'est pas normal, hein, tu me diras, hein, à la base. Parce que c'est gratuit, tu cliques en bas à droite de la vidéo, c'est totalement gratuit, tu cliques sur s'abonner, tu peux activer la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, tu le connais par cœur, c'est le code de 2023, c'est le code qui a enflammé l'été 2023, qui a réchauffé ton hiver 2023, maintenant c'était le code de 2023, maintenant c'est celui de 2024, c'est le code Brasier en majuscule, en minuscule, en boutique Fortnite, on s'en fout, ça marche quand même, vous êtes fouillé, moi ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt, bye bye.